Si tu es pianiste débutant et que tu cherches à apprendre des morceaux efficacement plutôt qu'à répéter sans comprendre et avec peu de résultats, t'es au bon endroit. Mais d'abord, pourquoi la mémoire? D'abord parce que bien mémoriser ces morceaux est une difficulté que j'ai souvent rencontrée chez mes élèves et que j'ai moi-même eue quand j'étais au conservatoire. D'ailleurs, la méthode que j'ai développée pour mémoriser mes morceaux, malgré les très bons pianistes que j'ai eus comme professeurs, personne n'a su me l'enseigner, j'ai dû la développer par moi-même. Et enfin parce que tu ne le sais peut-être pas, mais la mémoire est à la base de tout au piano. En effet, même si tu n'as pas pour but de jouer par cœur tes morceaux, en réalité, tous les passages que tu réussis bien dans tes morceaux sont des passages que tu as plus ou moins mémorisés sans t'en rendre compte. À l'inverse, les passages qui te posent plus de difficultés sont souvent des passages que tu n'as pas réussi à mémoriser inconsciemment. Dans tous les cas, que tu cherches à améliorer ton rythme, ta technique, un déplacement, gagner en fluidité ou tout simplement pouvoir jouer ton morceau entier sans stress et en étant plus à l'aise, tout ça demande d'avoir une mémoire bien construite. Or, ce n'est ni une question d'âge, ni une question de quantité de talent, mais une question de méthode de travail. Pour apprendre à faire ça, je te propose de suivre cette formation que j'ai créée sur la mémorisation d'un morceau grâce à la logique. En utilisant cette célèbre chanson d'Henri Salvador, Jardin d'hiver, j'ai voulu proposer une version simplifiée du morceau accessible au plus grand nombre. Tu trouveras un découpage du morceau en trois parties qui guidera l'ensemble des leçons, découpage que tu retrouveras aussi sur la partition à télécharger au début de la formation et dans la vidéo de présentation. Pour mémoriser facilement le morceau grâce à la logique, je te propose de suivre un parcours d'étapes progressives que j'ai créé exprès pour ça. À chaque étape, tu trouveras une leçon vidéo et un PDF à télécharger où je te montre une logique simple à travailler et à mémoriser directement sur ton piano. J'ai fait en sorte que chaque leçon soit suffisamment simple pour être intégrée et te permettre d'avancer sereinement. Tu y trouveras à chaque fois les conseils et indications essentielles pour t'aider dans ta progression, le travail main séparée, la coordination, le rythme, les doigtés, tout ça organisé autour de la construction logique de ta mémoire, bien sûr, puisque c'est l'objectif majeur de cette formation. En suivant chaque étape de la formation, tu construiras progressivement une mémoire solide et claire de l'ensemble de ton morceau. Mais tu apprendras également à développer une méthode efficace qui t'aidera dans l'apprentissage de tous les autres morceaux. Tu seras également plus à même de développer tes autres capacités pianistiques, que ce soit la technique, l'interprétation ou simplement le fait d'être plus à l'aise. Si tu veux commencer à progresser et mémoriser grâce à ma méthode, tu peux accéder à l'ensemble des 30 leçons dès maintenant. Je te dis donc à tout de suite dans la formation.